Donc j'espère que vous allez bien, shooter, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fire 3. Et aujourd'hui on se retrouve à Frosty Flight. On est parti, on a déjà fait Frosty Flight, mais dans la version chapitre 4 saison 5. Mais là c'est l'officiel, c'est sa nature, c'est la base, c'est son essence, c'est voilà, c'est vraiment l'original. L'objectif c'est d'avoir un minimum de stuff, mais pour cette vidéo là c'est surtout de le redécouvrir, le lieu. En haut, je pense qu'on va avoir deux coffres. Là, il y a quoi? Oh, ça passe tous. Poum, 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 poum. Ça, c'est trop fort. Ouais, j'ai combien de pièges? J'ai 4 pièges. Ah oui, j'ai vu dans les infos, enfin les trucs comme ça ici, que, enfin dans le serveur, comme quoi on n'a pas le droit de faire des trickshots en fin de game. Je crois que j'ai compris, enfin c'est ce que j'ai compris. Parce que c'est suspect, un mec qui fait un trickshot de fou, il doit probablement avoir un cheat. Et beaucoup de vos créateurs de contenu qui faisaient des trickshots et tout, certains cheataient, hein. Mais bon, ça représente une minorité quand même, je pense, j'espère. Ok, et ben nous du coup on va déjà s'arrêter là, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, c'est auteur, n'oubliez pas que je dis, allez, ciao. Talking, we sleep.